Alors aujourd'hui, nous allons faire une séance du code de la route où nous allons voir en détail les règles qu'il va falloir respecter en circulation sur la chaussée pour veiller à la sécurité de tous. Vous avez tous votre boîtier. Vous pouvez regarder qu'il y a donc des touches A, B, C et D. Donc lorsque vous allez avoir une question où on vous demandera de répondre A ou B, sachez qu'il y a forcément une des deux qui est fausse. Si vous pensez que c'est A, puis que vous vous rendez compte que vous êtes trompé, vous appuyez sur correction, et ensuite vous retapez B et validez. La séance de code que nous allons faire est un tronc commun. C'est-à-dire que ce code est valable pour toutes les catégories de véhicules. J'imagine que là, tout le monde a fait juste, je l'espère, elle est facile. La réponse, c'est la réponse B. En agglomération, la distance de sécurité pour un vélo est d'un mètre. Je vous rappelle que le fait que le vélo soit sur une piste cyclable ou une bande cyclable ne nous autorise pas à le raser. La sécurité est toujours là. Même s'il est dans une voie réservée pour lui, pour les vélos, une portière peut toujours s'ouvrir. Donc je dois malgré tout lui laisser un intervalle de sécurité.